from your house, walking on the moon. Ah bah ça, pour pratiquer le sport dont on va parler, là, sur la Lune, on sera tranquille. Hein. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut. C'est David Arthur qui nous rejoint. Sa spécialité, bon, ça a commencé l'année dernière déjà. Mm-hmm. On l'a découvert, grâce à vous, des sports assez incroyables. On continue, sport insolite. Alors, moi, le golf, ça me dit quelque chose. Mais alors, disque golf, là, ça demande une petite explication. Une explication. Alors, effectivement, je me suis penché sur un sport. Si vous avez fait le tour de tous les sports qui sont autour de vous cet été, un nouveau sport, effectivement, envahit la France. Alors, c'est arrivé en 2002 en France, il faut savoir que ça existe depuis 1954 aux États-Unis. Ah, quand même. Hein, voilà, le disc golf, c'est un sport qui est très facile d'accès. Finalement, on va jouer au golf, mais avec des disques volants, et on va faire des paniers de la même manière. Donc, au lieu d'avoir des trous dans le sol comme au golf pour faire rentrer la balle, là, on va avoir des paniers en extérieur, et on va lancer différents frisbees qui, effectivement, ont des formes particulières, permettent de faire des distances particulières les uns des autres. Et à partir de là, on va s'essayer en famille pour une heure et demie à deux heures d'un sport absolument génial. Donc il y a un parcours, quoi. Il y a un parcours, il y a 18 trous, comme pour le golf. C'est un sport écologique, ça permet de se relaxer, c'est accessible à tous. Et pour vous le prouver, je vous emmène à Saint-Julien-des-Landes, où il y a un parcours de 18 trous en dur, permanent, qui est là, qui vous attend. Et c'est un sport vraiment génial pour toute la famille. Ah. Bonjour David. Salut Fabien, comment tu vas? Bon, on se l'a fait cette partie de golf? Bah oui, on se l'a fait, mais qu'est-ce que tu fais avec ton club? Bah, je vais faire un golf. Non, c'est pas du golf, c'est du disque golf. Regarde, c'est un disque, ça se joue avec des disques. Bon bah écoute, ça m'a l'air nouveau, on va essayer. Hein. Allez, viens, j'attends. Allez, on y va. Le disque golf, hein, c'est un jeu vraiment abordable pour toute la famille. Hein. Il suffit de savoir lancer un disque classique, hein, comme vous pouvez jouer sur la plage. Et après, les règles du jeu sont très très simples, hein, ça se rapproche du golf. On a 18 paniers, comme le panier à côté de moi, disposés dans la forêt. Et le but du jeu, c'est de mettre le disque dans le panier en lançant le moins de fois possible. Les gens sont équipés, ils ont une petite sacoche. Ils ont trois disques dedans, donc un disque un peu plus fin que les autres pour les longues distances, qu'on appelle le driver, un disque un petit peu plus épais, donc pour les coups intermédiaires, et le putter, le disque le plus épais des trois, pour vraiment finir pour les cinq derniers mètres. Il y a un par, donc le par c'est les coups théoriques. Donc si c'est un par 3, je dois lancer mon disque en 3 coups. Si je le fais en dessous, ça me fait des points de bonus, et si je le fais au-dessus du par, ça me fait des points de pénalité. Sur le plan international, donc il existe des compétitions. Les États-Unis sont très très performants, mais malgré tout, la France commence à avoir un niveau correct. On peut considérer le disque golf comme un divertissement parce qu'on est par exemple entre amis ou en famille, et donc on peut passer un moment agréable tous ensemble à jouer. Mais ça peut être aussi considéré comme un sport parce qu'il y a déjà 1h30 à 2h de marche. Plus on joue et plus on peut progresser avec des figures techniques. Tu vois Nicolas là, il faut que ton disque passe entre les deux armes. Si ton disque passe à droite ou à gauche de l'arme, ça te fait un point de pénalité. Tous les coups sont permis, hein. Il suffit d'avoir un appui au sol et après on peut lancer le disque dans toutes les directions qu'on veut. Donc après les coups classiques, hein, c'est le revers, le coup droit, selon l'angle qu'on veut mettre. C'est un sport d'extérieur, donc il faut s'appuyer sur le vent, exactement comme au golf. Hein. Et après, si on veut faire des championnats, il faut s'entraîner quand même de longues heures. Le disque golf, c'est sympa en pleine nature parce qu'on prend un bon bol d'air frais. C'est vrai que quand on est en pleine forêt, on oublie tout. Et puis, on passe un moment en famille où on se retrouve, on se déconnecte de tout. C'est vraiment se reconcentrer sur chaque membre de la famille et voilà, créer encore plus de liens tous ensemble. Alors c'est génial. Donc aux États-Unis, ça existe depuis des années. Oui. Mais en France, on peut y jouer Alors en France, on peut y jouer. Depuis 2002, il y a des terrains en dur, ce qu'on appelle, qui sont là à l'année. Donc il y a 16 terrains permanents entre 9 et 18 trous partout en France. Et puis il y a 42 parcours initiatiques et il y a 22 clubs si on a envie de se professionnaliser, enfin de faire ça réellement. Et il y a un championnat du monde. Alors, il y a un championnat du monde absolument délirant. Le championnat du monde, il est sur 2 jours. Il réunit 18 000 joueurs dans 9 pays et 200 villes.
Donc autant dire, c'est vraiment un sport qui est très très couru aux États-Unis. C'est un sport qui est nouveau en France. Je vous invite vraiment à l'essayer parce qu'un enfant de 4 ans va avoir du mal à lancer le disque comme ça. Donc il va le lancer comme ça et finalement il va réussir à s'amuser et à faire un parcours. Donc c'est vraiment un sport pour toute la famille. Merci beaucoup David.